Dans la vie, là, être caroleur, là, ben, c'est pas mal plus compliqué qu'on pense. Puis c'est pour ça que je suis venue voir Wesley. Parce que Wesley, ça fait combien d'années, toi? 20 ans. 20 ans, tu sais, je veux dire, c'est ça, être un pro. Ça, je me trompe pas, c'est quand même des tuiles de grand format. Ouais, deux pieds par deux pieds. OK, on fait quoi? Est-ce qu'il faut faire un encollage au mur? Ouais, double encollage, c'est préférable. On met de la colle sur le mur et un côté plat de la truelle sur la tuile. Pour s'assurer d'une adhérence maximale. Tu sais, là, on veut savoir une chose, là. Quincaillerie, grande surface, on peut trouver tout pour être pro tant que toi, là. Exactement. Oui, hein? Exactement. On peut, OK. Ouais. La ligne de niveau, tout le monde se pose la même question. Tu la fais comment? Je prends quand même mon niveau ou mon laser, ça dépend de comment c'est accessible. OK, la première rangée, il faut qu'elle soit absolument hyper droite. Oui, okay. Vraiment, vraiment droite. Donc après, ça fait l'effet domino. Exactement. Est-ce que faut mettre quand t'étends ton ciment colle à l'horizontale, à la verticale? Oui, il y a des légendes urbaines qui disent que si tu le mets à l'horizontale, que la tuile va tenir toute seule, mais ça, c'est des légendes. Idéalement. OK, c'est des légendes, c'est pas compliqué. je me fais souvent poser la question, c'est quoi le meilleur, comment tu fais pour trouver le meilleur équilibre finalement? Idéalement, on trouve le centre entre le plancher et le plafond. OK, c'est encore bon, ça. C'est une autre affaire. Ouais. Pour vrai? Oui, le centre. OK. Ça nous donne des morceaux identiques en bas et en haut. OK. Donc, comme ça, on peut pas se tromper. Ta tuile de porcelaine, plus tough à couper, j'imagine? Que de la céramique, oui. OK, c'est ça. Le monde dit, c'est quoi, céramique, porcelaine? La céramique, on voit presque plus ça sur les planchers. C'est quasiment que de la porcelaine. La céramique, plus solide, là. Oui, c'est plus résistant, la porcelaine. OK. Donc, plus tough à couper, donc, t'es mieux d'avoir les bons outils. Exactement. Grinder, je vous vois souvent travailler avec ça. C'est pas mal ça, la meilleure option. Oui. La bonne lame, ouais. Bon outil. Exactement, pour faire des belles coupes, oui. Ben voilà, c'est de même, ça marche.